22 mai 1903 à Vannes, dans le Morbihan, Yves Rocard est le fils de Louis Rocard, officier aviateur français, et de Jeanne Louise Rocard. En 1918, le père de Rocard est déclaré mort pour la France. Rocard est donc mis sous le statut d'orphelin de guerre. Il est adopté comme pupille de la nation en 1919. Yves Rocard poursuivra tout de même ses études supérieures scientifiques à l'École normale supérieure à partir de 1922. Yves Rocard était un scientifique qui a obtenu dans la période d'entre-deux-guerres des résultats remarquables et féconds dans de nombreux domaines. On pourrait citer notamment ses travaux sur l'amélioration des tubes électroniques. Il propose un chauffage indirect pour supprimer le ronflement, un bruit indésirable dû au fonctionnement du tube électronique. Ainsi, il met en place la nouvelle recette de production des tubes électroniques pour la compte de la société française Radiotechnique. Mais il travaille aussi dans d'autres domaines, comme dans la stabilité des trains, des voitures ou sur la vitesse critique des avions. De nombreux industriels français font appel à son expertise pour résoudre divers problèmes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la Résistance et devient un conseiller de la marine de la France libre. À la Libération, il deviendra directeur du laboratoire de physique de l'ENS et se voit parfois confier des missions d'intérêt militaire. Il a notamment pour mission de convaincre les scientifiques allemands de travailler au service de la France. Dès 1947, Yves Rocard travaille au commissariat à l'énergie atomique afin de développer l'armement nucléaire français. Sachant que d'autres pays s'armaient d'armes similaires, Yves Rocard se met au défi de créer un sismomètre, selon ses dires, de la taille d'un dictionnaire, capable de détecter les explosions nucléaires clandestines sur la totalité de la surface de la planète. Bien qu'il ne soit pas géophysicien, grâce à son expérience, il développe le sismomètre de Rocard, d'une portabilité exceptionnelle pour son temps. Il fait installer un vaste réseau de sismomètres Rocard en France et en Outre-mer. Par la suite, il étudie la géophysique et en devient un spécialiste. En 1955, le laboratoire de physique de l'ENS, sous la direction de Yves Rocard, démarre la construction du premier accélérateur d'électrons à Orsay. À partir de 1957, il participe à des projets plus controversés. En effet, il fait des recherches sur la sorcellerie, et en 1966 sur les ovnis. Il écrit en 1962 « Le signal du sorcier », où il développe l'idée qu'il existe un don touchant environ un sixième de la population qui leur permettrait de détecter les zones sorcières. En effet, ces zones créeraient selon lui une anomalie dans le champ terrestre, et les personnes dotées de ce don pourraient le ressentir. Cet ouvrage nuit significativement à sa carrière scientifique, car il est reconnu comme étant truffé d'erreurs majeures et d'interprétations erronées par la communauté scientifique. À partir des années 70, il recentre ses recherches sur la sorcellerie et décédera à 88 ans à Paris, en laissant derrière lui une recherche dans le domaine de la physique enrichie par ses nombreux travaux.